Bonjour à tous. Grâce à cet exercice de Qigong, nous allons apaiser et concentrer notre mental en éliminant toute pensée parasite durant quelques minutes pour que notre cœur se purifie. Dans la pensée chinoise, le cœur symbolise notre psychisme, c'est-à-dire tout ce qui gouverne l'émotion, l'esprit et la pensée. Cet enchaînement a été créé par Maître Zhang Guandi, professeur et chercheur à l'Université de Pékin. Remercions-le pour sa contribution à notre santé. Commençons. Poids du corps sur votre jambe droite, ouvrez votre jambe gauche de la largeur des épaules et placez la pointe de votre langue contre vos incisives du haut. Joignez vos mains devant votre poitrine, sans pression excessive, et invitez le calme en vous. Le sommet du crâne suspendu au ciel, détendez tout votre corps, votre dos, et laissez se plier légèrement vos genoux. Superposez vos mains sur votre centre, la main gauche en dessous pour les femmes comme pour les hommes. Concentrez l'esprit dans votre centre, votre Dantian. Ici, la concentration relève plus de l'idée de réunir ce qui a été dispersé plutôt que celle de focaliser simplement sur un point. Lorsque nous rassemblons ainsi notre esprit dans la zone du Dantian, nous pouvons visualiser qu'à l'inspiration, tous nos méridiens vont se fermer et qu'à l'expiration, ils vont s'ouvrir. Par l'action conjointe de notre visualisation et de notre respiration, nous pouvons ainsi dégager l'ensemble de nos méridiens pour que notre sang et nos énergies circulent harmonieusement dans tout notre corps. En inspirant, contractez le périnée, tendre les jambes et décrivez un cercle pour amener vos mains de chaque côté de votre corps. En expirant, relâchez votre périnée, pliez légèrement vos genoux et laissez vos mains se poser sur vos lombaires. Les paumes de vos mains appuient sur la 23e paire de points du méridien de la vessie, Shen Shu. Relâchez bien vos lombaires. Rassemblez votre esprit au milieu de vos paumes, au point Migmen, la porte de la destinée. Ressentez à cet endroit comme un feu doux, léger, qui réchauffe tout doucement. Vous êtes en train d'augmenter votre force, votre vitalité, votre longévité, car grâce à cet exercice, vous prenez soin de votre capital énergétique. En inspirant, contractez le périnée, tendre les jambes et amenez vos bras sur les côtés, vos paumes vers l'arrière. En expirant, relâchez votre périnée, pliez légèrement vos genoux, amenez vos bras devant vous, écartez de la largeur de vos épaules à hauteur de celle-ci. Orientez vos paumes légèrement creusées vers le ciel. Détendez votre corps pour augmenter votre circulation sanguine. Rassemblez votre esprit dans vos paumes et visualisez que vous recueillez l'énergie subtile du soleil et de la lune. Connectez-vous au ciel. Vous pouvez même ressentir une résonance de cette connexion dans la présence vivante du sommet de votre crâne. En se concentrant dans les paumes de nos mains, nous augmentons la sensibilité de cette zone par laquelle nous captons et nous émettons de l'énergie. En inspirant, contractez votre périnée, allongez vos jambes et déployez vos bras devant vous. En expirant, relâchez votre périnée, pliez légèrement les genoux. En détendant votre corps, laissez vos mains se poser de chaque côté de vos hanches à environ une dizaine de centimètres. Rassemblez votre esprit au point Yongchuan, source jaillissante, premier point du méridien des reins sous la plante de vos pieds. Vous pouvez visualiser une eau pure et fraîche qui circule à partir de ce point dans tout votre corps pour amener votre cœur et votre esprit à s'apaiser. Ou vous pouvez en profiter pour puiser la force de la terre à travers vos racines. Par cet exercice, vous tonifiez l'énergie yin en vous, l'énergie nourricière, car vous êtes en train d'abaisser et de clarifier l'excès de feu. Vous dégagez vos méridiens des reins et de la vessie pour nourrir le yin et renforcer le yang dans tout votre corps.
En inspirant, contractez votre périnée, allongez vos jambes, ouvrez vos bras sur les côtés. En expirant, relâchez votre périnée, pliez légèrement vos genoux, continuez à accompagner la rotation de vos bras jusqu'à ce que vos mains forment un cercle devant votre petit bassin. Orientez vos paumes vers votre centre. Rassemblez votre esprit dans votre dantian jusqu'à ressentir une douce chaleur. Dirigez cette sensation de chaleur vers votre coccyx, puis remontez le long du méridien gouverneur sur votre colonne vertébrale. Passez sur vos lombaires, entre vos omoplates, vers l'occiput, sur le dessus de votre crâne, jusqu'au point sous votre nez. Votre langue est toujours posée derrière vos incisives du haut. Toujours en concentrant votre esprit, redescendre le long du méridien conception sur la ligne médiane à l'avant de votre corps jusqu'à revenir dans l'espace de votre centre. Sur ce trajet, votre concentration doit rester légère et fluide, comme un ruisseau d'eau pure. Pour finir cet enchaînement, joignez les paumes sur votre centre. Cette fois, les hommes mettent la main gauche dessous et les femmes la droite. Ressentez l'apaisement de votre esprit et la force de votre corps. Frictionnez vos mains pour y amener de l'énergie. Et massez votre visage pour continuer à détendre votre esprit. Invitez l'énergie que vous venez de stimuler à venir y circuler. Prenez conscience que vous accentuez l'éclat de votre visage. Puis vous reviendrez vous centrer, main sur votre dantian, les pieds joints. Bien sûr, lorsque vous aurez mémorisé les différentes postures et intentions de cet enchaînement, vous pourrez pratiquer chacune d'entre elles aussi longtemps qu'il vous plaira. Bonne pratique à tous !